Eh bien, salut tout le monde, c'est Max5336 et aujourd'hui on se retrouve, eh bien, pour fêter mes 100 abonnés. Merci tout le monde d'être déjà 100. C'est monté excessivement rapidement. C'est sûr que les vidéos sur les consoles de jeux, ça touche beaucoup plus de monde. Ben, merci à vous tous, les gens qui me suivent pour mon let's play, les gens qui me suivent pour mes vidéos sur Call of Duty, les gens qui me suivent pour peut-être mes vidéos découvertes, même si j'en fais pas beaucoup. Ou qui me suivent pour tout aussi. Ben merci à vous les amis, merci franchement, ça me fait excessivement plaisir. Moi, c'est énorme, franchement c'est énorme. Déjà 100 abonnés, ben comment vous remercier, c'est assez difficile. 100 abonnés, c'est sûr que pour certains ça paraîtra peu, pour moi c'est énorme. Franchement c'est déjà super, aussi vite et tout, donc c'est super bien. Donc, je voulais juste m'expliquer très rapidement. Je vous ai fait. Je suis parti avec deux amis, donc Behent et Arnaud 5336, alias Benjamin et Arnaud, un parc d'attractions qui s'appelle Walibi en Belgique. Je pense que tous les Belges connaissent, pas besoin de faire la description vraiment. Et je me suis dit, bah, pour fêter 100 abonnés, je vais faire une petite vidéo IRL où je vais montrer un petit peu ma journée. Elle va durer 10 minutes la vidéo, quelque chose comme ça. Donc c'était un petit bonus pour les 100 abonnés. Je me suis dit, changeons un petit peu de Call of et tout, changeons et revenons dans la vie réelle. Et bien voilà. Je vous remercie de regarder cette vidéo aussi. Et encore merci à vous d'être 100 abonnés. Salut tout le monde et prenez soin de vous. Ciao ciao. Hey, salut, ouais. Salut tout le monde, c'est Max. Attends, je me bouge un peu parce qu'il y a deux autistes qui sont en train de me faire chier là. Salut tout le monde, c'est Max 5336. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Je voulais déjà vous remercier pour être 100 abonnés. Je me suis dit, pour être 100 abonnés, je vais faire une vidéo un peu plus innovante. Je sens qu'ils sont en train de se casser là, donc ils sont en train de faire les cons. Donc, je suis pas tout seul. Aujourd'hui, en fait, je suis à Walibi, un parc qui est plus petit, beaucoup plus petit que Walt Disney, mais quand même assez grand. Hein, Walibi. Et il est 9h du matin, on est une heure à l'avance, donc on attend que le guichet ouvre pour pouvoir avoir nos places. Et on est deux autres, et donc je vais me remercier déjà de 100 abonnés. Et donc je vais filmer un petit peu ma journée, même si je vous promets que je vais pas tout filmer. Alors je suis en compagnie de Bikent, le petit patafouin. Et le compagnie d'Arnaud 5336, fait bonjour. Salut. Et ben voilà, et moi vous ne le verrez pas parce que je n'aime pas me montrer que je suis un homme super, super discret. Tu pourrais peut-être filmer un peu plus haut qu'on voit le Walibi. Ah ouais, c'est voilà. C'est intelligent. Pas assez. Enfin bon, de toute façon, tu peux juste foutre ta main devant la caméra, ils en ont strictement rien à foutre. Même si je pense qu'ils ont rien à foutre de la vidéo en tant qu'elle, mais c'est pas grave. Parce que je vous fais des gros bisous. Vous pouvez voir un peu les attractions là-bas. Vous pouvez voir une autre attraction là-bas. Désolé si je tremble beaucoup, hein. Et après tu vois, je... Bon, en tout cas, on se retrouve, mais juste après, pour une petite photo montage. Les pigeons. Oh. Un pigeon. Et t'es en train de bouffer du PQ là? Non, c'est pas du PQ, c'est un boulon, un énorme boulon. Allez, on se retrouve juste après. Alors là, on se retrouve sur une attraction. Et Michel qui est devant moi. On va s'éclater. Je déteste ce moment. Le mec, en fait, il stresse comme un gros porc. Non, t'inquiète, je stresse pas beaucoup. Je sais d'ailleurs où est mes pieds. Monte ta petite tête. Ma tête, elle est stylée. Bon allez, on va dire un truc, hein. Lève les bras, c'est plus rigolo. Lève les bras, on voit juste ça. Voilà ce qui s'est passé après. C'est que tes abonnés, ils voient pas grand chose. Hein, ouais, ils voient pas grand chose, malheureusement, je peux pas tout leur montrer parce que je suis assez restreint. Ça, on va le faire après, plus tard. Là, tu filmes pas, donc celui-là, mon avis. Là, tu vas devoir lâcher ton jeu seul. Mesdames et messieurs, vous avez plus rien voir, vous avez juste m'entendre gueuler parce que c'est, on est même ça. Attention, vous voyez la descente. Je le tiens très fort. Attention! Ah putain, c'est plus réaliste que dans Minecraft, hein! Ouais.
fini, on se retrouve, on s'est fini, on se retrouve pour autre chose, à tout de suite. Alors là, on a fait l'attraction, on se dirige vers autre chose, un petit peu moins rapide. Alors je pense qu'on va faire les chevaux, là. C'est trop stylé les chevaux. Ouais, on aime trop ça. Vas-y, on y va et on filme. Non, ça, je serais capable d'aller dedans. C'est en dessous d'un mètre 40, hein, alors jusqu'à preuve du contraire, tu ne fais pas 1m40. Non, mais j'aurais été capable d'y aller et que tu me filmes. Oh, bon, moi aussi, tu sais, sauf que je ne serais pas filmé. Alors là, on va aller dans une attraction un peu moins rapide, comme je disais, on va aller tout en... Tout en castron. Non, c'était pas drôle, c'était même pas une blague. Tout le monde a rigolé. Donc, j'espère que vous avez apprécié juste la petite attraction avant. J'ai les doigts gelés à cause de vous. Sachez-le. Mais c'est super galère. Super galère de filmer. Et puis, vous avez plutôt entendu nos cris. Même si je crie pas beaucoup. Hein. Alors, si tu cries comme ça, mon vieux, non seulement je te frappe parce que tu me claves les tympans. Et je me désabonne. Que je te connais pas. Là, mais avec vous parler de la gorge, je me dis ah. Comme ça, tu vois, c'est. Là, alors, donc là, on filme une route. Là, vous pouvez voir mes pieds, mes magnifiques pieds. Moi, je suis en mode code. Bof, quoi. Quoi? Ça, c'est les chaussures. Hein. C'est ça, en fait. En fait, là, vous pouvez reconnaître qu'il y a personne sur le parc parce qu'on est arrivé 1h30 plus tôt. Et on est rentré dans, je l'ai dit avant, et on est rentré dans le parc. Et alors, on est les premiers à explorer cette partie de parc, comme si on le connaît bien. Si, ah non, c'est des employés là-bas. Et donc, en fait, on est. Et donc, on peut faire les cons comme on veut. Regarde, il y a un qui est bon d'abruti. Je vous rappelle qu'il y a deux employés. Attends, moi, je vais. Fou, ils vont nous dire quoi? Vous avez retournez là-bas, les gars. Vous retournez là-bas. Allez, gâteau, c'est pas lui ça. Tu deviens armé. Dédicace à John. Dédicace à John. Petite John. Bon, je ferai peut-être pas bien, je ferai pas la rivière chauvage aujourd'hui. Peut-être mais... pas en filmant en tout cas. Surtout pas en filmant, non. On ne filera pas le Dalton. Non. Enfin, bref, les amis, je vais vous montrer ce qu'on va faire, mais je pourrais pas filmer parce que c'est dans le noir. Et en fait, on a un pistolet laser. Et on doit tirer sur des cibles, ce qui fait que... Je suis nul au tir, je pense que je vais vous filmer à mon avis. Non mais c'est bon, parce qu'en plus on verra que dalle, il faudra mettre... Ouais, tout est dans le noir en fait, donc ça on fera pas si on met le flash, je vais faire. Regardez, il y a vraiment personne, et on va aller là-bas. Et là, dans cette attraction-là, c'est pour... Il y a toujours 3 heures de fil. Il y a toujours beaucoup de fil, ouais. Mais fil, à mon avis, pour ceux qui connaissent, mais fil pour ceux qui, si jamais on connaît pas, le nombre de petits interstices... Ouais, je vous filmerai pas, mais je pense que c'est une des attractions où il y a le plus de fil. Je pense qu'il y a au moins 2h30 de fil si tout est complet. C'est une attraction familiale en fait. Donc, il y a beaucoup de monde. Ça fait quand même assez peur quand t'es petit, quand je parle. Quand t'es petit, oui. Mais j'ai eu peur quand j'étais venu, j'avais 10 ans. Non, mais on va là-dedans. Bon, on va aller là-dedans. On se retrouvera. Mais pour autre chose, vous pouvez voir la magnifique tête au-dessus. Vous savez, si je tremble un peu, mais bon, marcher en même temps. Parce qu'il a déjà peur en fait. Oh non, mais j'ai pas vraiment peur de ça, je suis surtout de battre le score de... Oh, je t'avais niqué la fois passée. Bon, je vous dirai qui aura gagné, et en attendant, prenez soin de vous, bisous chat et téléphone au beurre. Ciao ciao. Alors là, on se retrouve pour une autre... On se retrouve pour une autre attraction du même style, mais qui est beaucoup moins rapide. Là, vous voyez la belle tête de Ben. Ça te pète le dos, ça. Ça fait du bruit, ça pète le dos. Ça fait du bruit, ouais. Ça fait un mal. Allez, on est parti. C'était nul. C'est vraiment nul. Là, je n'ai jamais rêvé d'aussi nul. C'est vraiment pas rapide parce que là, je peux vraiment me permettre de filmer tranquillement, parler. Alors, je le trouve pour un gameplay sur Galop. Alors, je le trouve pour un gameplay sur Galop du Timor. On parle. Alors là, on fait un magnifique trick shot. Quadrille. Par Enroll. Cross de map wallbang. Il y a encore une fontaine. Oui, le tournant. Il y a de l'eau. Non, mais parce qu'en fait là on remonte encore une fois, hein. C'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas que de la merde. Hein. Mais c'est juste que cette montée là qui est encore un peu sympa, sinon. Elle fait fort mal au dos. Ça fait vraiment un sale bruit, hein. On n'en peut rien! Peut-être que ça vous rappelle à la flèche quand tu tombes très loin dans la molette avec la clac 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 clac. Ouais, super! Ouais, bien fait! C'était nul aussi! C'était encore plus nul! Ah! Ah, action! Oui! Là, c'est assez stressant quand même de te voir là, sur le pont. Ah, là, c'est sympa. C'est assez stressant. Tu te prends une caverne. On s'est pris une caverne. Ça va bien, toi, la photo. Photo. Non, il n'y a pas de photo ici. Il y a une photo ici. Si, mais non, mais c'est pas là. Ah,
putain, c'est là, c'est là, c'est là. Photo. Allez, c'est fini, salut tout le monde. On se retrouve juste après. Alors là, on se... Ah, on revient de ça. Attends. On revient de ça, ouais. Dégage, mec, dégage. On revient de ce truc et c'était vachement sympa. Il faisait froid, d'entendre dans la ah, il faisait froid, on a les doigts complètement gelés. Ils sont tout roses. Dédicace à Thibaut. En plus, c'est un glou. Arrête ça, c'est raciste. Ah, attends, je vais vous montrer. Donc en fait, là, vos pieds sont posés dans le vidre, en somme. Vous voyez le truc qui monte et en fait, ça va monter et puis ça va faire boum. Je vous montre. Je pense que tout le monde connaît le vampire. Hein. Oui, les Français, le Français, oui, le Français, il y a une t'es complètement très amis. Le Canadien aussi, oui. Le Canadien, mais oui, c'est bien connu. Ils connaissent tous le vampire, oui. Ils connaissent tous le vampire de Belgique, oui. Canadien. Attends, juste moi. Tout le monde juste la descente. Nous allons nous diriger tout doucement vers le cobra. On va filmer pendant le cobra, vous inquiétez. Ouais, bien sûr, non, après, oui, bien sûr. Après mon iPhone. De toute mesdames et messieurs, là ça crie déjà. Ce qui est assez impressionnant, c'est comme ça monte lentement et t'as l'impression que ça va lâcher. Quoi. T'as l'impression que tu vas te péter la gueule. Est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont? Je cherche, ils sont là-bas. Ils sont là-haut, tout en haut, ils vont tomber. Ils tombent. Ça va passer au-dessus de nous, donc ça va bientôt gueuler. Ça gueule. Ça gueule. Et voilà, automatisme, dès qu'il lâche. Attention, attention. T'as pas fini de filmer qu'on va voir. Il faut passer près de nous là. Attention, lève-la. Non, c'est pas tout de suite. Lève-la. Non, mais passe pas juste devant. Non, ouais, mais ça va arriver. C'est à la fin, c'est à la fin. Filme un peu quand même. J'ai une crampe au pied. Bientôt. Maintenant. Bah là, ça va freiner, hein. Et là, voilà, c'est fini. Alors, re tout le monde, on se retrouve. On a été mangé, on a fait pas mal d'attractions, il est 14h de l'après-midi, sachant que le parc ferme à 18h et il nous reste encore 4h si je comprends bien. Ouais. Donc, on vient de refaire le train de la mine, alors vous ne les avez pas vu faire ça. Sûrement, je vais essayer que ces deux-là montent dedans. Et c'est de la chute libre en fait. Et je vais essayer de vous donner le filmer. Il fait assez beau, vous pouvez le voir. C'est assez fun. Pour une fois qu'il pleut pas en Belgique. Magnifique. Voilà. Pour le reste, je pense que c'était à peu près tout. On a aussi fait d'autres attractions entre temps. Pour ceux qui connaissent, on a fait le cobra, on a fait aussi cobra, un peu ouais. Pas mal de vampires. Le vampire. Le vampire, ouais. Et on va avancer un peu, on va. C'est un peu moche hein, quand même. J'ai vraiment l'air d'un con pour vous, je vous imaginez. On a le même sang, hein. Mais de toute façon, mais c'est les gens, ont peur de ta tête, hein. Regarde bien où vont les regards. Hein. Quel enfant. Allez, fait-il pas peur hein. Allons, tu filmes encore là? Bien sûr que je filme. Mais non, pas tout de suite, hein, je ferai ça tout à l'heure. Allez. Il y a un contraste de jour pour filmer qui est franchement impossible. Ah, tu te mets de l'autre côté? Ouais, j'avoue, c'est pas con, mais j'ai pas envie. On passe à tantôt. Ouais. Bien. Voilà. J'ai un vieux stress, je pensais que la fille avait un t-shirt pédobir. Ah ouais, ouais? Ah, d'un coup, c'est moins fun. C'est moins fun. Surtout que la fille était jeune. Ah là, d'un coup, c'est encore moins fun. Bon. C'est bien beau. C'est bien beau. Bon. Comme ça au moins vous êtes tenus au courant de ce qui se passe. J'ai le hockey. Ah, j'ai le hockey. Un goulou. Bon allez, on se retrouve juste après. Oh mais c'est génial. Tu serais ce petit chevau. On va aller là-dessus quoi. Alors. Là, ils vont tenter un truc. Un truc très con. Hein. Ils ont vraiment l'air de cons là. Parce que c'est 10 ans. Hein. 10 ans. Alors là, on va les regarder un petit peu là. C'est très petit, hein. Bah ouais, mais en même temps, c'est pas trop adapté pour vous quoi. Attention, ça va être super éclatant, les amis. Attention. Qu'est-ce qu'ils vont. Alors j'ai trop envie de comment. Je vais vous faire un super commentaire là-dessus, attention. Attention. De l'octopus. L'octopus. Ouais, très rose, très fashion. Hein. Ils ont le style. Hein. Ils ont le swag. Hein.
Ouais, j'avoue. Attention mesdames et messieurs, c'est parti. Alors là, on se retrouve sur un gameplay à la Octopus avec deux petits tuluberlus qui ont vraiment l'air super excités de leur rentrer là-dessus. Après, ça bouge. Je vais quand même reculer un peu, histoire de pas me les prendre en pleine gueule. Si je ne zoome pas. Hein. Je ne zoome pas. Ouais. Quelle bande de cons. Les revoilà. Là. Voilà, c'est très tendu. Hein. Ouais. Ils sont trop gros. Ouais. Oh putain, ils sont énormes. On va se mettre comme ça. Voilà, on se retrouve pour autre chose. Allez, tout de suite, ciao tout le monde. Alors là, on se retrouve pour la suite. Alors c'est bientôt la fin là, parce que il part faire dans une heure. Là, on les voit juste là. Ils vont monter, c'est de la chute libre en fait. On monte tout en haut là-bas. Et on se laisse descendre. Donc on les voit les deux là, les deux sur la droite. Alors là. Attendez, je vais. Là, on va les voir monter. Attention, attention. Hein. Attention, veuillez éloigner les plus jeunes de vos écrans. Peggy 18. Non, ceci n'était pas drôle. Oh, des trisos. Là, il monte. Je vais bouger là. Lève là. Attention, ça va lâcher. Ça va vite, hein. 4 secondes, 3 secondes de chute libre. Ça lâche. On voit pas grand chose malheureusement, mais ils sont heureux. Ils sont heureux. Attendez, on va aller les voir. C'est bon. Regardez ça. Regarde. Ils sont encore en vidéo là. Ouais, t'es encore en vidéo. Putain, quel enfoiré. T'es déjà en vidéo ou pas? Ouais, mais je suis sûr que j'étais déjà en vidéo. Eh, c'était sympa. Quelles sont vos impressions, on va dire? Moi, j'adore. On est très léger, ouais. Ouais, bon, allez. Eh bien, c'est sur toutes ces bouts de clips, de vidéos qui nous auront retracé tout le long de la journée. Qui nous ont retracé toute la journée, et bien c'est sur ça qu'on va se dire au revoir les amis. Les autres sont partis chez des gaufres, mais là on quitte le parc. Super journée, voilà. Je vous remercie encore d'être déjà 100 abonnés, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que cette petite vidéo IRL qui a un peu changé vous aura plu. En attendant, c'est tout ce que j'avais à vous dire.
se retrouve bien vivant sur d'autres vidéos, sur du Call of, du SSX, peut-être aussi du SSX, hein, j'en ferai bien encore un truc sur ça, sur mon esprit Assassin's Creed, sur plein de vidéos. Et très rapidement, je vais vous faire une autre vidéo IRL, mais très rapide, et vous comprendrez pourquoi, et ça va peut-être vous faire, en tout cas, moi, ça va me faire super plaisir, et vous, peut-être un peu moins, mais vous comprendrez pourquoi. En attendant, on se retrouve pour d'autres vidéos, et je vous remercie de m'avoir suivi pendant ces bouts de clips, et j'espère que vous avez apprécié, hein, une vidéo un peu qui change, et que, eh bien, merci d'être déjà 100. Allez, salut tout le monde, ciao, ciao.